vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour, bienvenue à notre quotidienne de ce début de semaine. Bon lundi et au nom de toute l'équipe de l'Institut Jean Garon, ici Éric Bernard, il me fait grand plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter une bonne heure de lunch et de vous proposer le menu aujourd'hui. Jean Garon avait l'habitude de dire qu'un des plus grands problèmes du monde agricole québécois est la distance énorme qu'il s'est créée entre l'agriculteur et le citadin. Depuis l'époque pas si lointaine où nous avions tous un père ou un oncle agriculteur. Cette distance a fluctué avec le temps. Elle avait diminué avec le discours de M. Garon sur l'importance d'être le plus autosuffisant possible. Elle s'était creusée avec ce qu'on peut appeler l'internationalisation de notre alimentation. Elle a à nouveau grandement diminué à la faveur de la pandémie qui nous a fait redécouvrir l'agriculture de proximité, le jardinage, bref, l'importance de la terre nourricière. Il y a un organisme au Québec qui n'a pas attendu la pandémie pour s'attaquer à cette cassure entre le monde rural et le monde urbain, où il le fait là où cela a le plus de chances d'être plus qu'une mode liée à un méchant virus, auprès des enfants. Simon Bégin et Guy de Bailleul rencontrent aujourd'hui Mathieu Rouleau. Il est le cofondateur et l'actuel président de École au champ, un jeune organisme qui prépare non seulement l'agriculture de demain, mais aussi le consommateur de demain. On retrouve Simon et Guy et leur invité, Mathieu Rouleau. Simon, c'est à toi. Merci, Éric. Bonjour, M. Rouleau, et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, moi, j'ai personnellement découvert l'existence de École au champ récemment grâce à une publicité que voici dans le journal Le Devoir, où on vous présente comme cofondateur et président de École au champ avec Mme Valérie Toupin-Dubé, une cofondatrice aussi. Alors, on comprend que McGill, ça a été votre alma mater, et on comprend aussi que McGill est très fier de ce que vous faites. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette origine, de votre lien avec l'Université McGill, et quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené, vous, jeune agronome, à lancer cette idée merveilleuse d'École au champ? Donc, le projet a commencé à l'Université McGill, où on avait un jardin communautaire où les étudiants pouvaient pratiquer tout l'aspect de produire des légumes, mais aussi les mettre en faire la mise en marché. Et on avait une grande demande du public de savoir un peu plus avec leurs enfants, la bouffe, elle venait de où? Les aliments, ils venaient de où? Fait qu'on s'est penché sur cette idée-là, puis on a créé le camp École au champ pour vraiment rapprocher les jeunes avec l'agriculture. Et depuis ce temps-là, on a diversifié nos opérations et notre offre de service. Puis on est rendu un OBNL dans l'ensemble du Québec qu'on œuvre dans plusieurs secteurs. Écoutez, on pourra rentrer dans le détail de chacune de vos opérations un peu plus tard dans l'émission, mais pour commencer peut-être globalement, en gros, nous dire un peu ce que vous faites, votre mission et un peu votre mode de fonctionnement, en grande ligne. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir les sciences agricoles et agro-environnementales auprès du public. On priorise la jeunesse, mais aussi les familles, parce qu'on veut préparer la prochaine génération à consommer mieux local et plus conscient, avec les bonnes informations. Alors, écoutez, comme je mentionnais, votre site Internet est très bien fait. J'invite les gens à aller le consulter, écoleauchamp.org, je crois. Et dans ce site-là, on voit chacune de vos facettes, de vos programmes d'action. On pourrait peut-être les passer en liste. Écoutez, il y a d'abord ce que vous appelez l'animation en classe. Alors, ça dit un peu ce que c'est, mais pouvez-vous nous en dire un peu? Donc, l'animation en classe, c'est vraiment le partenariat avec des agriculteurs qu'on va faire de l'animation en classe. On va faire des modules qu'on appelle éducatifs qui vont être des durées différentes au niveau de tous différents secteurs. On va préparer d'avance avec les enseignants au niveau de l'éducation, quels sujets qu'ils veulent avoir en classe, que ce soit animal, végétal ou les sols. Puis par la suite, on va s'adapter au niveau pour s'assurer qu'on a les composantes en lien avec le curriculum du ministère de l'Éducation. On va faire les liens.
Puis on a aussi le partenariat avec Agriculture en classe, qu'on est le représentant d'Agriculture en classe au Québec au niveau national, qu'on a tout le volet de l'agriculture en classe. Donc, c'est vraiment ce volet-là qui est très important pour les primaires secondaires. Je comprends à ce moment-là que ça peut être aussitôt qu'à la maternelle, cette initiation-là. Est-ce que c'est bien exact? Oui, exact, parce qu'il y a plusieurs différentes choses dans les compétences de sciences qu'on peut évaluer avec les jeunes au niveau de attacher ça avec les façons d'évaluer. Juste un simple exemple, quand on est jeune, on doit apprendre comment transformer ou voir les phases d'évolution dans un liquide et un solide. Nous autres, on utilise de la crème. On fait brasser de la crème avec les jeunes qui comprennent à faire du beurre. D'après ça, ils sont capables de le goûter. Fait qu'ils s'en rappellent de ce produit-là. On va aussi faire les profils de sol pour comprendre les différentes portions de la terre. Puis on va avoir les pousses de germination pour voir comment que les racines sont formées puis comment la plante peut pousser dans un horizon très rapide. Une autre de vos facettes s'appelle « Je me cultive de l'école à la ferme ». J'ai cru comprendre que c'était pour des jeunes un petit peu plus avancés dans leur cours, c'est bien ça? Oui, exact. Ça, c'est destiné vraiment à un partenariat avec les agriculteurs. Les agriculteurs demeurent une des meilleures façons de parler du métier. Donc, nous autres, on facilite avec les producteurs agricoles une intervention dans la classe. Donc, ils vont aller faire l'animation dans l'école. Puis par la suite, ils vont faire une visite à la ferme. Et nous autres, notre rôle dans tout ça, c'est d'aider les agriculteurs à vulgariser la science en arrière de l'agriculture. Donc, on va les accompagner dans la formation avant l'intervention dans la classe, puis faire la coordination pour s'assurer que ça coule très bien avec notre réseau d'écoles à travers le Québec. C'est bien. Une autre facette, ça s'appelle Agricool. Alors, ça doit être cool, comme le terme le dit. Donc, on a gardé un volet de camp de jour parce que c'est quand même très agréable à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés. C'est un camp de jour de 5 jours. On dit ça dans les différents volets. On va avoir les sols, on va avoir les animaux, le végétal, on va aussi avoir tous les insectes et tout ça. Puis la dernière journée, on appelle ça le concours de École au champ, et ils vont passer la journée à mettre au défi les parents et aussi des intervenants du milieu avec les connaissances qu'ils ont apprises au camp durant la semaine. Donc, c'est les parents qui passent l'examen à ce moment-là. Oui, on voit si les enfants sont capables de dépasser les parents en termes de leurs compétences et qu'est-ce qu'ils ont appris cette semaine. Il y a une autre facette dont le titre est intéressant, c'est l'escouade des fermiers en ville. Alors, parlez-nous-en un peu. L'escouade des fermiers en ville se trouve être un programme où on forme les animateurs de camp de jour dans les villes au Québec pour être capable de les donner des outils et des modules en lien avec l'agriculture, que ce soit des activités de 15 minutes ou 45 minutes, parce que les animateurs, des fois, ils ont besoin d'occuper du temps entre des activités et tout ça. Donc, nous autres, on va former les animateurs et on va leur donner une trousse de modules courts et longs pour être capable de vraiment bouger, faire bouger les jeunes. Puis, on va aussi faire des interventions par la suite avec l'animateur durant l'été dans le camp de jour municipal. Alors, vous avez vraiment une offre de services très diversifiée, mais pour que tout ça fonctionne, ça prend un grand réseau de collaborateurs. On passe à des commissions scolaires, à des municipalités. Il y a même, je pense, un centre de formation professionnelle. Des bénévoles. Alors, comment vous réussissez à coordonner tout ça? On est une équipe, on a beaucoup de bénévoles qui croient beaucoup dans la mission d'École au champ. On travaille très fort. Moi, je considère que c'est important de faire rayonner École au champ. Et on travaille avec de différents niveaux. On va travailler avec les UPA régionales et aussi provinciales. On va travailler avec la Fédération de la relève agricole, au niveau de notre réseau agriculteur. Par la suite, on va avoir tous les réseaux des commissions scolaires au niveau d'être capable de rentrer dans les cours, faire le lien avec les projets spéciaux, avoir un jardin d'école, faire des pousses.
parce qu'on a un programme qui s'appelle Jeunes entrepreneurs bioalimentaires. C'est un programme qui va aider à la transformation. Donc, les jeunes vont commencer au mois d'avril, mai, avec les semis jusqu'à le canage pour être capable d'entreposer, préserver, pour vraiment aider à voir que pas tous les aliments peuvent être consommés frais durant l'hiver. Donc, on va mettre cette portion-là vraiment à l'accent. Donc, on travaille avec les écoles puis aussi les centres jeunesse dans les régions pour s'assurer que on a un bon mariage. Et vu que c'est pratique au niveau de l'expérience, les jeunes, ils vont toujours s'en rappeler parce que quand que tu touches la terre, quand que tu touches une poule, quand que tu touches une plante, tu t'en rappelles toujours un peu plus. Alors, M. De Bailleul, sans doute, oui. Quelques questions à poser aussi. Oui, oui, tout à fait. D'abord, en revenant à vous, M. Rouleau, vous êtes un des cofondateurs d'Écolo Champ, et on voit l'importance aussi du bénévolat parce que professionnellement, vous avez une activité en tant que conseiller financier, mais je note aussi que vous avez été responsable, étant plus jeune, ce qui remonte pas très loin, du mouvement 4H au Québec. Le mouvement 4H est moins connu au Québec qu'il peut l'être dans l'Ouest du Canada et surtout aux États-Unis parce qu'il a une existence de plus de 100 ans, on faisait un peu, on avait tendance à le caractériser un peu comme le mouvement scout rural. Est-ce que on pourrait dire que dans votre approche, il y a un peu de la philosophie du mouvement 4H tel qu'il existe aux États-Unis ou tel qu'il a existé aussi, c'est-à-dire de rapprocher effectivement les jeunes du milieu agricole, de favoriser aussi la vulgarisation des techniques? Donc, je te dirais que ma passion de l'agriculture vient des 4H à cause de ce que j'ai fait des 4H. Quand j'étais jeune, je faisais de la danse carrée, j'avais un jardin. Donc, j'avais un jardin, on va dire, de 10 par 10, que j'ai été dans le jardin à journée longue, des fois, au soleil, en train de travailler mon jardin. Pour avoir le plus beau jardin, pour avoir les meilleures carottes, la meilleure basilic. Puis par la suite, j'ai aussi fait les présentations de conformation et de showmanship au niveau de les animaux laitiers. Donc, je préparais ma génisse, je marchais avec, je passais beaucoup de temps au niveau de comment mettre ses petites peurs, prendre vraiment le temps avec l'animal, de s'apprivoiser, puis la marcher. Fait que moi, à la base, Écolo Champ, ça vient vraiment de ma passion de jeunesse, d'avoir travaillé avec mes mains sur la ferme familiale et dans le jardin, puis c'est resté à l'intérieur de moi de redonner à la prochaine génération pour être en mesure d'avoir une agriculture de proximité, avoir une agriculture de communauté, qu'on travaille tout ensemble. Parce que moi, je m'ai toujours fait dire qu'on élève un enfant avec un village, pas tout seul. Donc, faut avoir un jardin puis avoir une bonne enfance. Pour avoir plusieurs personnes localement d'être capable d'avoir un beau parcours. Puis avec Écolo Champ, je pense qu'on va changer la prochaine génération des consommateurs qui soient plus conscients. Puis il y en a qui savent même pas qu'il y a des carrières en agriculture qui sont pas nécessairement liées à être sur le plancher des vaches, dans un poulailler, dans un champ. Il y a des notaires agricoles, tu as des comptables agricoles, tu as des avocats agricoles, tu as des recherchistes, tu as des agronomes de champs, d'étables, de finances, pour vraiment accompagner les agriculteurs. Fait que c'est vraiment d'aider à découvrir tout l'aspect du monde agricole et l'agroalimentaire. Écoutez, on va faire une petite pause, si vous permettez, M. De Bailleul, et on pourra revenir dans quelques instants avec M. Rouleau. À chaque repas, vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour, messieurs. Ouais, alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien correspondant à un monsieur qui est bien s'affitant. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe.
Monsieur Rouleau, vous veniez de dire effectivement que le monde agricole, c'est un monde très complexe avec beaucoup de services qui sont reliés. Vous vous adressez à des enfants particulièrement et Eric faisait allusion au tout début de l'émission à la distance qui pouvait exister entre le milieu rural et le milieu urbain. Quelquefois, chez des enfants, ça prend des formes, j'allais dire caricatural, on se souviendra de cette anecdote réelle de cet enfant qui visite pour la première fois une ferme laitière et il voit l'agriculteur en train de traire les vaches et il dit à son père « Tu as vu comment il va chercher son lait ? Lui, c'était tellement plus facile de l'acheter à l'épicerie. » Alors, j'imagine que vous, auprès des enfants, vous avez aussi dû constater des découvertes des ébahissements, si je puis dire. Oui, c'est vraiment fascinant de voir quand que les jeunes comprennent que du lait fait du beurre ou même qu'un œuf vient d'une poule, puis ça vient d'un même trou, d'un seul trou. En fait, il y a toutes sortes de là et que tu peux avoir une belle fleur dans un jardin que tu peux manger, que tu peux avoir un pois ou une fête qui va pousser de tout ça. C'est vraiment un privilège de voir les jeunes se réaliser dans cette découverte au niveau d'un jardin ou d'un champ, puis d'être passionné d'en parler à leurs parents après. Je pense que c'est la chose qui est le plus valorisant dans mon travail. Mais le cas échéant, vous allez assez loin aussi dans la découverte de la réalité agricole parce que vous faites dans certains documents référence au plan de développement de la zone agricole, les PDZA. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui savent ce que peut être un PDZA. Comment vous intégrez cette réalité dans vos... comment vous intégrez votre démarche dans le développement des zones agricoles? Mais nous autres, en mettant de l'avant l'agriculture et parler de l'agriculture, il y a plus de monde qui s'intéresse à l'agriculture, qui veulent encourager l'agriculture locale. Et donc, nous autres, notre organisme met de l'avant ces initiatives dans l'ensemble du Québec à parler d'agriculture, d'être conscient. Donc, on met en valeur la belle profession de l'agriculture et de l'agroalimentaire avec nos modules pour que les jeunes peuvent s'intéresser, trouver un métier puis avoir un projet agricole, que ça soit de présenter un conseil municipal, d'avoir des poules dans leur terrain arrière dans une ville. Pas toutes les villes permettent ça et on est en train de redécouvrir un monde agricole au niveau de tout aspect de la jeunesse qui apporte une différence et un virement vers le futur de l'agriculture. Mais on note que vous êtes beaucoup présent dans les Laurentides et autour de la grande région de Montréal. Est-ce que vous rayonnez davantage au Québec ou est-ce que c'était les origines à partir du collège McDonald qui vous ont amené à être davantage présent dans cette zone? C'est certain qu'on est un jeune organisme dans l'ensemble du Québec. On a beaucoup de projets qui ont été démarrés dans la région des Laurentides et de Montréal pour être en mesure de voir qu'est-ce qui fonctionnait avec la population. Mais on est en Estrie, en Montérégie et dans le centre du Québec pour certaines de nos opérations. Puis on s'adapte avec nos partenaires locaux aussi. Il y a d'autres organismes qui font certains volets. Fait que nous autres, on va venir compléter dans les régions pour s'assurer que il n'y a pas de compétition. L'objectif, c'est de faire rayonner l'agriculture et travailler ensemble. Que ça soit dans les foires agricoles, on a quand même un bon volet. L'an passé, il n'y a pas eu de foires agricoles. On espère que cette année, les gens vont être capables de revenir visiter les régions pour voir l'agriculture, pour avoir cet intérêt-là et l'éducation locale. On est très présents là, puis on travaille avec plusieurs municipalités puis des écoles dans d'autres régions. Et le mois de mars, ça se trouve être le mois de la littératie canadienne pour l'agriculture. Et on va être dans l'ensemble du Québec, on va avoir des concours, on va avoir des modules éducatifs qui vont être disponibles à tous les enseignants du primaire pour être capables d'intégrer la science agricole dans leur cours de science. C'est un sujet au Québec qui est pas nécessairement facile pour les enseignants d'enseigner. Donc, nous autres, on leur donne les outils, les modules pour être capables d'enseigner avec des compétences qu'ils sont capables d'évaluer
Puis on va avoir un concours à la fin avec des animations dans la classe qui seront toutes gratuites. Fait qu'ils vont être capables d'aller sur notre site web pour visiter puis s'inscrire prochainement. Oui, justement, vous veniez de faire allusion aux camps qui ont été perturbés par la pandémie, mais d'une manière plus générale, est-ce que vos activités ont été sérieusement perturbées pour les interventions en classe ou... Je te dirais qu'au tout début de la pandémie, c'est sûr que tout a été fermé, donc on a eu un impact qui était quand même important. On a eu besoin de réaffecter des projets et se diversifier, puis aussi se virtualiser au niveau de certaines choses. C'est certain qu'on prend toutes les précautions quand on va dans les écoles, parce qu'il y a certaines écoles qui nous demandent de le faire, que ça soit on fait des stations individuelles pour que les jeunes peuvent avoir l'expérience au lieu d'être 10 autour d'une table, ils vont le faire tout seul au niveau des pousses de germination, les animations et tout ça. Donc, on a eu besoin de s'adapter aux différentes réalités. Sauf que le pratique demeure une des meilleures façons d'enseigner la science. Donc, on priorise quand même l'intervention, mais on garde les différents mesures en tête quand on fait les interventions. Mais juste un exemple, on a pris un masque et on a mis un masque de poule pour faire un peu d'animation. On avait une animatrice qui est allée faire une animation avec un masque de vache. On essaie de divertir les jeunes sans qu'ils aient peur d'un étranger qui rentre et faire des activités en lien avec les kids qui apprennent à l'école. Ben, votre réflexion répond déjà à la question suivante que je voulais vous poser. J'allais dire, est-ce qu'il est plus facile de parler des légumes que des poules et des vaches? Est-ce qu'il y aurait peut-être une tendance à une approche plus végétarienne? Mais apparemment, ça n'est pas nécessairement le cas. Donc, nous autres, on ne priorise pas nécessairement un secteur ou un type. Nous autres, on veut vraiment présenter les faits de l'agriculture. Donc, on ne présente pas que si X production est meilleure, on va expliquer pourquoi c'est fait et comment on peut changer nos façons, que ça soit, par exemple, des pesticides qui sont utilisés dans nos champs. Il y a une raison que ça ait été utilisé dans les années. Pourquoi qu'on a un revirement vers le bio et comment qu'on peut faire une agriculture bio diversifiée, et on présente tous les faits qu'une mauvaise herbe va avoir, pourquoi qu'une mauvaise herbe, pourquoi qu'une diversité dans notre agriculture, pourquoi est-ce qu'un jardin fonctionne quand même bien en rendement quand on a une diversité de fleurs et tout ça pour attirer les abeilles. Donc, on présente vraiment les faits de l'agriculture pour s'assurer que les jeunes vont être outillés pour prendre des décisions et dire « Ah, moi, le cocon, il est en saison, je suis capable de l'acheter, il vient du Québec, je vais le consommer. » Mais à l'hiver, peut-être qu'on va manger plus des choses comme du navet et tout ça qui sont peut-être plus anthropisées et faciles d'entreposer durant l'hiver. Quand on pense à l'élevage, on pense au bien-être animal. Est-ce que les enfants sont très sensibles à cet aspect? Oui, ils sont très sensibles à cet aspect-là, mais je te dirais qu'ils comprennent tous les aspects de la vache un peu plus. Il y a certains animaux qui sont très routiniers, il y en a qui ont très peur des gros mouvements. Quand tu approches une poule, tu ne peux pas courir après, elle va s'enfuir. Tu sais, comprendre vraiment les instincts animaux de chacun des animaux pour t'assurer que eux autres vont comprendre les réalités de l'agriculture, et aussi on explique qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 30 ans de l'agriculture, puis on va présenter aussi les tendances vers des logements libres pour être en mesure de mieux comprendre la réalité, mais il faut aussi comprendre la réalité canadienne, qu'on a un hiver que des fois il fait moins 40 au Québec durant l'hiver avec beaucoup de neige, fait que des fois c'est moins bon de les envoyer dehors. Fait qu'on prend toute cette réalité-là, puis le confort en lien avec les animaux, c'est une chose qu'on aime présenter pour s'assurer qu'ils comprennent les différentes choses. Puis je te dirais qu'il y a des choses que les parents sont comme « Ah, je savais pas que c'était pour ça. » La vache est très routinière quand elle avait la même place dans les tables pour manger et tout ça. Monsieur Rouleau, évidemment, dans votre démarche, vous faites un lien étroit entre l'agriculture et l'environnement, ce qui est dans le fond un problème qu'on peut constater dans le monde agricole, où plusieurs producteurs ont l'air de considérer que
les mesures pour protéger l'environnement sont des irritants, sont des obstacles à la productivité. Alors, je pense que vous, en faisant un lien entre ce que l'agriculture peut apporter à l'environnement et l'importance de protéger l'environnement, vous faites œuvre utile. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que, à un moment donné, ce n'est pas trop? Les enfants sont très exposés au message environnemental, sont très exposés aux risques que posent les changements climatiques. Comment en faire des citoyens éclairés, mais en même temps éviter qu'ils ne paniquent, que ce soit un peu une source d'angoisse pour ces jeunes enfants-là et qu'ils ne deviennent pas, je voudrais dire, des extrémistes environnementaux? Donc, je pense que ça commence tout avec l'éducation, de comprendre l'agriculture québécoise, la réalité de notre environnement au niveau du changement climatique, comment que l'agriculture de proximité est mieux pour l'environnement. Parler de le déplacement d'une laitue de la Californie jusqu'à ici, peut-être que ça a un impact au niveau de les gaz à effet de serre et tout ça, puis consommer des choses en saison, comprendre cette réalité-là, puis eux autres vont être capables de faire des choix mieux conscientisés, vont être plus conscientisés au niveau de la provenance des aliments. Ils vont être capables d'être plus serein avec leurs décisions parce qu'ils encouragent quelqu'un de local, ils encouragent aussi des gens à travailler dans leur entourage. Puis je pense pas que le futur va nécessairement être des alarmistes, mais si on est capable de changer la prochaine génération au niveau de leur choix de consommation, l'agriculture va évoluer comme qu'elle a évolué depuis les 30 dernières années. On va être capable d'avoir une agriculture diversifiée pour être en mesure de combattre le changement climatique. Écoutez, allez-y, monsieur Dubadou. Oui, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez déjà l'impression que votre action a non seulement modifié des attitudes ou des comportements, mais éventuellement suscité des vocations vers l'agriculture? Il y en a plein. Il y en a qui sont comme, OK, mais moi, je veux être agronome, je veux aller aider les agriculteurs. Côté végétal, il y en a qui disent « OK, mais j'ai toujours voulu être en recherche, mais pourquoi pas faire de la recherche, de trouver les meilleures plantes pour être capable de combattre le changement climatique? J'aime la génétique. Au niveau carrière, on a cette portion-là qui est vraiment fascinante de voir. C'est vraiment en lien, je te dirais, avec nos jeunes entrepreneurs qui ont alimentaires, qui ont les yeux grands ouverts après avec des carrières au niveau de changer la prochaine génération qui est impliquée dans ce changement-là. Alors, écoutez, c'est déjà la fin de notre émission. Ce qu'on peut dire, M. Rouleau, c'est de vous féliciter, vous remercier. Je pense que vous faites une œuvre extrêmement utile. Évidemment, on l'a constaté depuis un an que tout le monde s'intéresse à l'agriculture de proximité, mais pour que le message dure, que le message porte, que l'action que vous faites auprès des enfants est certainement très porteuse. Écoutez, pour pouvoir savoir comment vous joindre, comment faire appel à vos services, comment de s'impliquer si on veut, nous allons mettre en ligne le site École au champ et les gens pourront trouver là toutes les informations utiles. Alors, encore une fois, je vous remercie et continuez votre beau travail. Mais merci beaucoup, ça fait un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon, Guy Debailleul, co-président de l'Institut. Nous avons reçu aujourd'hui Mathieu Rouleau, président et co-fondateur de l'École au champ. Et comme le disait Simon, nous allons mettre les références juste au bas de cet article sur le site de l'Institut Jean Garon, sur institutjeangaron.ca. Merci de votre écoute, de votre attention et à demain midi. À chaque repas, vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir.